La vallée d'Aoste est terre de châteaux. On en compte une centaine, voire plus, que ce soit des tours, des manoirs, des maisons fortes, des citadelles ou des demeures néo-gothiques. 100 châteaux, certains puissants, bien conservés, d'autres en ruine. Mais tous construits sur des promontoires, des sites stratégiques ou occupant des positions de choix. De tous ces châteaux, il est vrai, le fort de Bar revêt un rôle particulier. Clé d'accès à la vallée, cette sentinelle de pierre a vu passer l'histoire à ses pieds. Payer tant de droits de péage, des armées bloquées ou des envahisseurs repoussés, jusqu'à briser contre ses murs, seul et unique rempart alpin, la marche triomphale de Napoléon. Sur la roche de Bar, écrit Giuseppe Giacosa, se succédèrent et se superposèrent avec certitude l'oppidum des Salas, le camp retranché des Romains, l'enceinte bourguignonne, le rocher féodal et la forteresse moderne, l'un détruisant les restes de l'autre ou l'un profitant de l'autre en fonction des différentes tactiques de guerre. Les trois passages entre le rocher sur lequel se dresse le fort de Bar et le flanc de la montagne constituent de tout temps un parcours obligatoire pour entrer en vallée d'Aoste. Le tracé de la route, taillé en grande partie dans le rocher, date de l'époque romaine. La voie consulaire des Gaules, construite après la soumission des Salas en l'an 25 avant Jésus-Christ. L'étymologie du mot bar décrit un lieu élevé et côtoyé par le fleuve. Il existe dans le monde plus de 60 localités dont le nom commence par bar, toutes situées en hauteur et proches de cours d'eau. Mais rares sont les endroits stratégiques comparables à cet âpre bloc de pierre serré entre les hautes montagnes, le bourg et le fleuve. Compte tenu de sa position stratégique, le rocher de Bar dut être habité dès l'époque préhistorique. Toutefois, les documents qui en témoignent datent de beaucoup plus tard. La première citation d'un édifice fortifié remonte à 1034. Il appartenait au vicomte d'Aoste, Boso, dont les descendants conservèrent la seigneurie de Bar jusqu'au XIIIe siècle. Conquis en 1242 par Amédée IV de Savoie, le château assuma un rôle plus précis de défense. Au XVIe siècle, il subit de graves dommages au passage des troupes françaises et espagnoles. Puis reconquis par Emmanuel Philibert, il fut restauré puis élargi. En 1661, Charles-Emmanuel II fit démanteler les places fortes de Verrès et de Montjovet et transféra toute l'artillerie à Bar, qui dès lors devint le siège des forces armées de la Maison de Savoie. Les structures défensives furent renforcées. Le château fut entouré par une double courtine de remparts. Des magasins furent construits, ainsi que des logements pour la garnison. La résistance que l'armée de la Maison de Savoie opposa aux troupes françaises en 1704 au cours de la guerre de succession d'Espagne fut mémorable. Mais l'épisode militaire le plus célèbre, dont le fort fut le théâtre, est le siège de 1800. We'll be right back.
À l'aube du 20 mai, Napoléon et 40 000 hommes de son armée franchissent les Alpes pour surprendre l'armée austro-piémontaise qui occupait la plaine du Po. La progression rapide de l'armée fut arrêtée à Bar par les troupes autrichiennes cantonnées dans la forteresse. La nuit du 21 mai, surpris par une attaque nocturne, le bourg capitule, mais le fort, lui, ne se rend pas. Il ne reste donc plus aux Français qu'à assiéger le rocher. Le 1er juin, après une journée entière de bombardement, le capitaine autrichien signe la reddition, obtenant l'honneur des armes. Napoléon avait fini par surmonter l'écueil, mais dès son retour de Marengo, où il remporta une victoire éclatante, il ordonna la destruction de ce bastion qui avait mortifié son orgueil. « Ce vilain castel de Bar, disait d'un ton méprisant le premier consul en le citant, « ce vilain castel qui avait bloqué une armée avide de bataille. » Stendhal, alors âgé de 17 ans, avait suivi pas à pas son idole dans la campagne d'Italie. Il racontera toutes ses journées passées à chercher un passage pour déjouer le feu des canons. Une lithographie de 1829 évoque ce temps-là. Le promontoire est dégarni, muet. Sans sa forteresse, la vallée a perdu toute son identité. Charles-Félix, craignant une nouvelle agression de la part des Français, entreprit de faire reconstruire le fort, lequel projet fut confié à l'ingénieur militaire François-Antoine Olivero, sorti de l'école spéciale de Saint-Cyr et de l'école d'artillerie de Turin. Les travaux commencèrent en 1830, avec le soutien d'une équipe de 1500 hommes. Cette nouvelle place forte, un des rares exemples de conservation encore existant, fut remise à Charles Albert le 30 juillet 1838. L'ensemble de la forteresse comprenait 283 locaux, 43 cellules d'isolement et pouvait abriter 416 hommes, voire le double en cas de mobilisation. Bien fournie en vivres et munitions, elle pouvait résister à 3 mois de siège. L'œuvre d'Olivero constitue un exemple classique de fortification perpendiculaire, inspiré des théories mises en place au XVIIIe siècle par le marquis de Montalembert. Tout à fait opposé aux conceptions désormais séculières et obsolètes de Vauban, ingénieur militaire de Louis XIV, ce système prévoyait la construction de tours à canons disposées en polygone et munies de 2 ou plusieurs rangées de casemates. Ce système, à structures autonomes, était en mesure de garantir la défense réciproque en cas d'attaque ennemie, évitant ainsi que la prise d'un niveau n'entraîne nécessairement la reddition des autres. Les théories de Montalembert furent réaffirmées et rehaussées par la disposition, parfaitement adaptée au sol, des casemates alignées sur des plans de feu successifs. De bas en haut du rocher, la forteresse s'étirait sur plusieurs corps en tenaille. La fortification Ferdinando avec une partie haute et une partie basse, la fortification Mortaille, la fortification Vittorio dans la zone intermédiaire et la fortification Carlo Alberto. Cette dernière constituait la principale ligne de feu des artilleries de plus gros calibre, pointée en direction de la haute vallée. Les canons étaient répartis sur 2 étages de casemates insérés dans le grand complexe d'édifices de la fortification supérieure, point de rayonnement et cœur de la forteresse. Il suffit de penser à ces 176 locaux, 176 sur les 283 que compte toute la structure défensive. L'armement était établi en fonction de l'importance de la place. En 1844, Bar possédait 60 pièces d'artillerie, comprenant des canons de 8, 16 et 24 livres.
des obusiers, des mortiers de pierre et des obus de divers calibres. De petits canons à chape pour les tirs à courte portée. À 467 mètres d'altitude sur la pointe du rocher, la fortification supérieure la plus massive, appelée Fortification Carlo Alberto, en hommage au souverain Charles Albert, est constituée d'un mur d'enceinte contre lequel s'appuient divers corps de bâtiments, abritant des magasins de tout genre, la poudrière, les logements, les fours, les cuisines, l'infirmerie et l'église. Chaque secteur était doté de citernes autonomes, alimentées par un système complexe de récupération des eaux. Aujourd'hui encore, tous ceux qui arrivent à Bar sont impressionnés par l'important agglomérat d'édifices adossés aux rochers. Les avant-corps de la forteresse, très imposants, sont comme un prolongement du bourg. Vers l'occident, sur le versant du rocher, s'étale le formidable ensemble de casemates, bastions et escaliers couverts, leurs puissants murs comme fondus dans la nature. À l'est, le vieux château d'Antan orne le sommet de la montagne, imprenable comme un nid d'aigle.